أزول في الأول مرة يدي سمح سيسان استراتيجية نوس جهد نتدام سايو كدوس حيون ذمو سومتا لو هيون مليون ذميتين ألف نتكوبانين تيرميسين تيمشتاح ذي تلمسيني قلان دي ثمور تنغ معنى حريش نصنعة يسعى 6% كان البي بي المدخول الخزن ثمور في يوكراغان ذي نكينا غصرحة كينيا ثنة المسلية في القانون وسفتين تدريم تامك هادو غالن يمولان الأرزاق إبرانيين تخشمنا للزيارة سفتين تدريم تنسن أسجهد نتدام سان في المندوس نقصد عندي تفطور ثنتي غين سني شوفار ينتحوا الشيفرانيم الصنعه نذكر ياس دغان واي النظام يكذين كنا ماس عبد العزيز كاند اسيني اصبح الخير الزول فلاك ماس عبد العزيز الزول فلاك الزول فلاونا ديال لوديتور لاشين دو ثمير ثدن سمحتيك تشيني قلي كذا نهال عليا ايدي الهان ثمانية فيث نص الصنعه كوغليف نيرد نص الصنعه Et hier, la relance économique, c'est maintenant. Il faut commencer parce que l'année 2022, ça va être l'année par excellence de l'économie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, le président de la République il a déclaré donc l'année 2022, c'est l'année de l'économie. Donc, on est au ministère de l'Industrie, on a commencé par organiser justement. Une grande conférence, donc vous avez pu assister le 4-5 décembre la conférence. On a rassemblé du mal à les acteurs de l'industrie. On a donné la feuille de route du ministère de l'Industrie, la stratégie du secteur. On discutons le les avis des uns et des autres, les propositions pour que la feuille de route du ministère de l'Industrie soit la plus appropriée possible aux aspirations du pays et puis elle soit la plus favorable possible à l'industriel, à l'investisseur national. وهما يعني مسيو غاند يعني اللي يهمهم هو سي لا ستابيليتي دو لاغريمون دو لا ريغلومونتاسيون كي دو دوري او مينيموم 10 ans. La stabilité de la réglementation, bien sûr, mais une réglementation, elle est faite, elle est mise en œuvre. Maintenant, mais il y a des petits problèmes d'application de la réglementation, il faut faire le correctif nécessaire. Mais effectivement, une législation, une grande loi qui régit, par exemple, l'investissement, qui est, elle doit effectivement être la plus stable possible. Donc, un canon, on réfléchit à toutes les situations. C'est un canon qui peut durer effectivement dans le temps. Quand ça dure dans le temps, ça rassure l'investisseur, ça rassure les gens, donc même l'administrateur qui est censé appliquer la loi, il est rassuré quand la loi elle est stable, quand la loi elle est surtout, mais la chose, l'insistance, c'est que la loi doit être appliquée. Là, peut-être que c'était le problème d'application de la loi, mais la loi est claire. قطاع وحده يعني اذا كان ممكن اذا كان سي بوسيبل دو بارلي دو لا فيليير كي فا اتر ديفلوبي اون بريوريتي اون الجيري جينيرالمون في لاندستري سي لاغرو اليمونتير بوتيت سي لو سيكتور ميني واش هما لي بريوريتي دابري المينيستير دو لاندستري حنا لي بريوريتي دابور اون فو رولونسي لاندستري ديناميزي لاندستري دو مانيير جينيرال Donc, les potentialités, les rythmes. On a beaucoup de potentialités, que ce soit sur les matières premières, que ce soit sur la ressource humaine, peut-être un peu moins les ressources financières, mais c'est pour ça que justement on fait appel aux IDE. Mais toutes les filières sont à développer et on a, peut-être il y en a qui ont plus de potentiel que d'autres, mais la stratégie de le Sénat, on parle. De deux axes de travail, deux axes de la stratégie, c'est autour de deux axes. D'abord, la substitution des importations. Alors, on a importé le hajan que nous demandons. Donc ça, c'est une priorité number one. La deuxième priorité, c'est qu'on doit se positionner sur les marchés externes.
Il n'est pas question que le produit ça, on le fait pour le marché algérien, on le consomme entre nous, on prend un peu en otage. Donc là, je vais développer le produit, là, je vais avoir la qualité qu'il faut, et on fait sa promotion dans les marchés extérieurs. Donc on doit se positionner sur les chaînes de valeur à l'international, on doit mettre nos produits, on doit développer nos capacités d'exportation. Quand on arrive à développer nos capacités d'export, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut produire plus, ça veut dire qu'il faut produire mieux et bien pour que le produit soit accepté. Et du coup, le mieux et le bien, ça revient sur le produit, le marché, le consommateur national. C'est automatique, ça va de soi. Mais aussi, ça va permettre à toutes les filières, parce que il y a des interactions entre filières. Vous voulez développer la filière agroalimentaire, par exemple. C'est la filière qui enregistre un peu le plus de valeur ces derniers temps. Vous ne pouvez pas la développer sans qu'il y ait du machinisme agricole pour développer des produits agricoles en grande quantité et en grande qualité. Vous ne pouvez pas la développer s'il n'y a pas de l'engineering à côté pour faire face à toutes les problématiques de production. Vous ne pouvez pas la développer si vous n'avez pas formé des gens en assurance qualité qui vous gèrent un peu la production pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour qu'il n'y ait pas de problème dans vos produits, pour que le produit soit... Donc, un tas de choses qui sont dites. Vous voulez développer justement le machinisme agricole, là, vous développez la mécanique. Vous voulez développer la mécanique, il faudra aussi développer la sidérurgie. Donc, toutes les filières sont imbriquées l'une dans l'autre. Effectivement, il y a des filières qui ont des potentiels. Donc, si vous voulez, ça va de soi, ils font leur travail. Nous, nous avons les filières qui doivent nous aider. طبعهم شوية باش يلحقوا لو ميم نيفو دو لو سيكتور مينيي تاني لو سيكتور مينيي maintenant il n'est plus dans le portefeuille de l'industrie mais ça reste un secteur effectivement très important dans la mesure où il alimente beaucoup d'autres filières industrielles en matières premières. C'est aussi en lui-même un secteur structurant. Donc si on développe des mines, ça veut dire qu'on a développé de l'emploi. Après, quand on extrait le produit minier, on le valorise, on lui donne la valeur qu'il faut, ça devient aussi une filière effectivement industrielle à part. لكن هي مسألة لازم جند سهم ضد ذاك كنت وراني لأن حواج ممكن يعني تحواج تمرثنا إلى قد تأخذ مديث مرثنا وإلى قرأ في دنا قصي البرانية ناس مقصت فاتور تكينيا إغلاين سو تاس دفيز دن تغيير سي البرانية يشوف على كينيا هي الويد في لنا عن سجهد يعني أنك تأخذ مديث مرثنا أما جو حريش لغراني مونتير نا جو حريش النظام نا حريش كين لمين دي حريش مرة نظام لما أنا إلى كنت وراك القوانين ذي موجودين باش كانت سي سهلا أكثر إي مع من باش تخدم من اسلس هلا مسيو غند لو بارتناريا لوفيرتور دو كابيتال دو لونتربريز ايتين اون كونديسيون بو كو لونتربريز ساميليور بيان سور دونك يا دي زونتربريز كي سون كومون دير قادر على روحها يعني سورتو لي بلان فينانسي تكنولوجي مي يا دي زونتربريز ايفيكتيفمون كي فونكسيوني مشات ان سارتان مومون سا في بعد حقت elle s'est essoufflée sur un domaine ou un autre, que ce soit financièrement ou là, en matière de gestion. Là, donc l'ouverture, que ce soit de capital, l'ouverture tout court, donc à un partenariat. Et le partenariat, ça, c'est bien fait, donc ça peut ramener de la technologie, ça peut ramener des finances, donc des financements frais pour faire redémarrer peut-être une entreprise, ou là, même si c'est une entreprise qui fonctionne bien, quand elle entre en partenariat, elle peut se développer mieux, elle peut peut-être, si c'est un partenariat étranger, elle peut s'appuyer sur le réseau de distribution, par exemple, de l'étranger, et donc c'est une façon d'exporter, donc c'est l'étranger où là, le national partenaire est adossé à une banque, à des ressources financières solides, donc elle règle ses problèmes financiers. Donc quelqu'un qui a de la technologie, on règle le problème du savoir-faire. Donc le partenariat est toujours positif. Justement, dans ce domaine, comment donc peut-on drainer l'investissement étranger?
L'investissement étranger, on en a parlé tout à l'heure. Donc, d'abord, il faut donner des signaux de stabilité. Donc, alhamdoulilah, nous en Algérie maintenant, ça, la volonté politique est liée. Maintenant, il faut que la volonté politique soit suivie effectivement par les actes de l'administration, de toutes les instances qui sont censées faciliter la vie à l'investisseur pour que. D'abord, il faut qu'on sécurise, qu'on rassure l'investisseur national. Donc, une fois l'investisseur national, il est rassuré. Donc, les étrangers qui le regardent, ils voient que les choses bougent, elles sont dynamiques sur le plan économique en Algérie. Ben, manifestement, ça représente pour eux une opportunité, ça les incite à venir. كان مس قند عبد العزيز كشي اللي قلت لك بهال عليان لا كومبيتيتيفيتي اندستريال دو وليف الصناعه مثلا من يفي في الصناعه وليف كي الصناعه تسمع من ضد كان باش كا ضوني برانينا سفين ديال من سنتي الجزائر اللي تمرتنا الا قمتني دا على دافن تكوني تدافن يعني تجهد يعني تدام سنه تمرتنا سوا الرويس كان هذا تجهد تدام سنه تمرتنا وزمر نوصي دا عن ادوين زياده يعني تدريم تدي تمرتنا مسيو قند يعني باش نختموا هذا الموضوع هذا يا لي زونتربريز بوبليك شاك فوا يا اون سوتيان لي زونتربريز دي دايما ديفيسيتي اش كون كونتينيي كوم سا او بيان سا يعني كونسيرنون كلكو زونتربريز دو ان لو ني ان ا توت لي زونتربريز بوبليك elles ont fonctionné avec donc de l'argent public elles doivent des comptes à la république au trésor mais si vous vous rappelez dans notre conférence, on a dédié tout un atelier à la gouvernance donc de l'entreprise. Il y a eu beaucoup de propositions, mais on a parlé tout à l'heure de le partenariat. Maintenant, la gouvernance, il faut qu'on améliore un peu le management, donc la gestion des entreprises, on nomme des managers capables, des managers qui peuvent prendre l'initiative, avec des contrats de performance bien étudiés des deux côtés, donc on ramène quelqu'un qui a des capacités de faire, on lui fait signer un contrat et on lui demande des objectifs et des résultats, mais aussi il y a, alhamdoulilah, maintenant, le secteur de la justice, on a introduit le canon qui dépénalise l'acte de gestion. Il a le courage, il a la volonté pour faire des initiatives, pour avancer. C'est comme ça qu'on améliore la gouvernance de l'entreprise publique. C'est aussi comme ça qu'on permet à l'entreprise publique de faire des bénéfices et de sortir un peu du stéréotype de l'entreprise publique. C'est l'entreprise toujours déficitaire qui fait des mauvais résultats, qu'il faut aider le trésor. Non, il y a des entreprises publiques, ça a le bénéfice, ça a l'accord. Sans beaucoup de problèmes. Il y a aussi un phénomène que l'entreprise publique, c'est la première destination contre les pouvoirs publics, ou là, quand on a sur le plan social besoin de régler un problème. Donc souvenez-vous, avec le problème de Covid, quand il y a eu manque de gel, on a fait appel à l'entreprise publique. Quand il y a nécessité de mettre de l'oxygène à la disposition des hôpitaux, on a fait. Il y a eu des privés, effectivement, mais aussi l'entreprise publique, elle a été très sollicitée. Ça aussi, c'est des considérations qu'il faut tenir en compte. L'entreprise publique aussi fait travailler beaucoup d'employés, donc, et souvent, socialement, on ne peut pas licencier, donc, pour rester dans l'orthodoxie de gestion de l'entreprise publique. Donc là, il y a des facteurs macroéconomiques, voilà, donc il y a des facteurs qui militent pour le maintien de l'entreprise publique. الميرسي هي كان كيت صمد مس كانت عبد العزيز اذا كان في كوباني نكيا من البايلك غاسا كان الدولة ديما تتعاوني تنس دريم ديما تصرف في اللسن لا معنى اصرف في كينيا يسعى الفايدة تاسيميا حريشة كان الخدمة يتغباي ولاش الشوماج يعني تمدن خدمان دي حريشة كينا يتغى مسافة مقارنة يعني تسعى نفع اكثر تغن ما الا صرفا في اللسا كا خيرا لا معنى الا القوانين الجديدة انك عاونا مدبرا الكوباني نكيا
اماس القوانين الشرع ني غاكا باش يسني سهل انا اكثر الخدمه اي مدبرنا كيني نتكوباني ذات 8 ونص هاد نغال غرون شويه ندخلو في الكونستركسيون اوتوموبيل هي دلوغان لغربان نزول في الأولية كلت النظام ذي إنجين الصبحي ذي الماس جند عبد العزيز ذي مغبر عليا يدي الهانس 8 فيث قغليف نص صنعاء مي يدي المسلاية كان فوس في أنت دريم نعدي على تمثال تكيني ناس كورياس ذي ثمور ثنر donc dans le domaine d'investissement mais maintenant on va arriver au secteur de l'automobile monsieur Gend Abdelaziz il y a des constructeurs automobiles qui ont déposé des demandes pour investir en Algérie sans bénéficier de concessions c'est d'après les médias est-ce que on peut régler ce problème là pour les constructeurs constructeurs automobiles qui ont proposé de venir investir en Algérie Les constructeurs automobiles qui veulent investir en Algérie, bien sûr, Mahba Béhom. Alors, problème de l'industrie automobile. Donc, voilà, on a essayé donc, de lancer une industrie automobile selon une formule, selon des conditions. Les choses ne se sont pas déroulées comme l'espéraient un peu les concepteurs de la stratégie de développement de cette industrie automobile. Donc, on a parlé de montage, on a parlé d'un tas d'avantages qui n'ont pas donné beaucoup de bénéfices. Maintenant, au secteur de l'industrie, on veut améliorer les choses. On veut aller à une vraie industrie automobile. Un constructeur qui vient, qui fait de l'industrie, donc il ne faut pas que les constructeurs hindous, ou les concessionnaires, ou leurs représentants, ils chauffent l'Algérie comme un marché. L'Algérie, c'est un pays qui a des aspirations sur son industrie, on veut développer cette industrie, il faut qu'ils viennent, qu'ils soient nos partenaires, et qu'on s'attaque au marché automobile, de manière générale, c'est-à-dire on va construire une automobile qui va être destinée au marché de l'automobile. Un automobile pour le marché algérien. Le marché algérien, c'est 300-400 000 véhicules l'an, c'est bon. Alors, je connais c'est pas rentable pour le constructeur, c'est pas rentable pour le pays. Donc, celui qui voit en l'Algérie un vrai partenaire pour faire de la construction automobile pour envahir le marché mondial, donc on a été approché par plusieurs constructeurs qui effectivement y investissent On leur a expliqué dans notre point de vue, quand même, nous sommes signataires de deux ou trois accords, grands accords, donc pratiquement de libre-échange, donc avec l'Union européenne, avec la ZLECAF, avec la zone de libre-échange arabe. Tout ça, c'est des marchés auxquels le produit algérien peut accéder. Pourquoi pas l'automobile algérienne? Donc, qui gère le constructeur? Il va construire, réaliser, fabriquer des automobiles, il va effectivement vendre sur le marché national, mais il a la latitude. Donc il a échoué avec nous, cette notre idée là, il échoue avec ça, marhaba. Nous pouvons le faire, mais il échoue la soie, ya khouya, la soie تاعنا, on a le droit de le réglementer. Et entre autres pour le réglementer, 35% d'intégration pour la durée de 36 mois après le début du travail. C'est ça la condition. Oui, ça c'est l'une des conditions. C'est vrai que ça a été déclaré par le Premier ministre à l'occasion de l'ouverture. Donc vous avez dû faire un tour sur la foire de la production nationale. Donc il y a quand même les choses sont, commencent à bouger, il y a du produit national. Donc il reste à nous de faire de sorte que le produit national, il gagne effectivement en intégration, il gagne en diversification,
Il y aura donc de la sous-traitance, il y aura des chaînes de valeur donc, qui seront maîtrisées, de la logistique aussi qu'il faut lancer, des plateformes dans tous les sens qu'il faut organiser, que ce soit des centrales d'achat ou des centrales donc pour vendre, pour positionner le produit algérien à l'étranger. Mais effectivement, on ne peut pas rester comme ça à importer et à introduire 2 ou 5 ou 10% un peu de valeur et on dira qu'on a fait de l'industrie. Non, il faut qu'on améliore continuellement la maîtrise de la chaîne de valeur du produit. Il faut qu'on améliore de manière aussi continue, qu'on augmente régulièrement et continuellement le taux d'intégration de nos produits, de sorte à ce qu'ils soient le plus compétitifs possible. Nous avons des facteurs de compétitivité, nous avons des facteurs qui permettent à nos produits de gagner en compétitivité. Il faudra qu'on les utilise. Nous avons de l'énergie à bas prix, nous avons quand même de la ressource humaine, l'université algérienne, qu'on le veuille ou non, il y a 250 000 diplômés qui sortent chaque année, des ingénieurs, des diplômés en sciences humaines, donc on en a besoin pour le management, des économistes, des gens dans la communication, on en a besoin pour communiquer, pour faire du marketing, et des techniciens qui sont capables, moyennant peut-être une mise à l'eau, comme on dit, donc moyennant un petit stage comme ça de perfectionnement, et ils sont capables de vous faire des merveilles. Donc il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on commence à réellement travailler. لكن هي مس قنت عبد العزيز صح ما تد ذكّن دي ثمور ثنا نسعى تسوي لا تنسعى لبوتنسياليتي لان ودي غران نسعى ودي ديفران دي السدويين نسعى ودي إكزمر السنة دخل من الخناس أنا ما كان يوث الحال عاش وني ديو سنة دي سفتيان ثدر انتي نستكي دي ثمور ثنا أذي ثمرة تسوي لا توجد لان ثمو سنية ثلا دي ثمور ثنا مسيو قنت je ne sais pas si c'est possible est-ce que nous avons vraiment besoin maintenant de l'industrie automobile en Algérie, parce qu'on avait déjà gaspillé avec l'ancienne expérience plus de 3 milliards de dollars au moment où la tendance va vers la voiture électrique, l'air, l'écologie, éradiquer le moteur diesel, essence, c'est ça le dialogue qu'on a avec nos interlocuteurs. Donc effectivement, quand quelqu'un vient, il fait une offre, il nous met des conditions. D'accord. C'est vrai que l'expérience passée, ça nous a coûté de l'argent et du temps. Il faudra qu'on rattrape tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va effectivement rentrer industrie automobile pour industrie automobile. J'ai bien un modèle de fin des années 60. Donc ça, c'est peut-être pour collectionner, oui, mais pour faire effectivement, on doit avoir du côté du moteur hybride, du côté du moteur électrique. Donc nous avons la potentialité pour la voiture électrique, ça reste une option effectivement qu'il faut, même si on n'est pas suffisamment outillé pour que par le réseau peut-être de recharge et tout ça, mais ça pourrait effectivement être une option. On produit de la voiture électrique, on consomme ce qu'on peut consommer, ce que le marché national peut absorber, et le reste, on l'exporte. كان يعني تكيا يعني استراتيجية نتمر ثنا كحال شيء كان الصناعة أنتي ما وإذا دي السنة دي ستين دري من السنة دي الصناعة عند كوريا سيت مر ثنا يود مثلا إذا عنا قدر إنه كي ندي بان كذا جديد استخدم الصهد الكيمياء في النوارة استخدم الإلكتريسيتي دو كي إكس عن الفائدة آخر ولا استخدم لي موتورني إقديما Monsieur Gand Abdelaziz, يعني si c'est possible de parler sur concernant l'importation de véhicules neufs. Il y a un cahier de charge, normalement il est prêt, il s'était prévu au début 2022, il sera prêt. Où on est arrivé? Écoutez, le cahier de charge, il sera prêt tel que l'a été déclaré. Donc, il y a eu des modifications. Il y a eu des modifications parce que, bon, effectivement, quand on est venu à. Je disais tout à l'heure que la réglementation, elle peut durer aussi longtemps que possible. Pour peu qu'elle ne pose pas de problème de mise en œuvre d'application. Effectivement, il y a une réglementation
qui encadre le, donc l'activité de construction automobile et, l'autre qui encadre l'activité de concessionnaire, on a eu quelques petits problèmes sur la mise en œuvre de cette réglementation. On a corrigé, on va sortir avec la copie qui agrée tout le monde. Donc, mais cela dit, il y a des commissions qui sont installées, qui travaillent. Donc, normalement, les choses vont bon train, comme on dit. Je suis directeur général, effectivement, mais la commission, elle est souveraine, elle est indépendante. Donc, personnellement, je n'ai pas cherché à savoir. Et le projet de véhicule moins de 3 ans, c'était un ancien projet. Normalement, c'est pour ça, c'était une disposition de la loi de finances de 2020 et donc qui a été reconduite et explicitée un peu par la loi de finances complémentaire pour 2021. Le législateur, le canon, il se met les Jazériens, les Mokémines, باش يستور السيارة دو موان دو 3 ans. Il fallait aussi mettre la réglementation. On a fait le nécessaire et normalement aussi c'est en bonne voie. Très bien, هي كان في مسألة كان في قرياس يعني ذي يعني زمان ميكس عن الزل ذهان ثان القوانين قريبة دفعان كايت شارج يعني يتعطي لها السيارة قبل يعني ما دي بتو يعني وش قاس 2022 يزمر وقت مسألة كينيا أدوينت يعني أين ديبانن هذا جديد si c'est possible monsieur Abdelaziz on va parler du foncier industriel qui doit être loin de la pression administrative et l'assainissement du foncier en général. Enfin, la pression administrative, c'est le foncier industriel qui provoque la pression administrative. Ah, oui. Ce n'est pas l'inverse. Alors, le foncier industriel, normalement, on laisse les problèmes. Hein, le foncier industriel, le foncier, dans le passé, il y avait des problèmes d'octroi, de distribution. Donc, maintenant, les pouvoirs publics, peut-être le président de la République, ont décidé que ce foncier soit, qu'on améliore la gestion, qu'on améliore l'attribution, qu'on améliore le fonctionnement de l'investissement qui a besoin de ce foncier industriel, avec plus de transparence, avec plus d'efficacité. On va créer une agence donc, dans laquelle sera son... Agence, office, mais... ça, le nom porte, ouais. Importe peu, mais c'est une structure dans laquelle il sera centralisé tout le foncier national industriel et on va l'octroyer de façon transparente, de façon rapide peut-être, plus efficace qu'avant. Et puis, ça va permettre de couper court un peu au business qui fait autour de... Je ne vois pas pourquoi quelqu'un viendrait prendre quelques hectares dans une zone industrielle. Soit il les garde comme ça indéfiniment, 4, 5 ans, 10 ans, 10 ans ou il le remonie, commander ce foncier, donc l'État tanzanien peut faire du business, il faut que le foncier industriel roule l'investisseur. Donc c'est la seule fonction du foncier industriel. Maintenant, il a les règles claires pour l'octroi du foncier, donc, qui sont connues par l'administration. Donc l'administration n'aura pas de pression, elle ne va pas faire de pression sur le foncier. Et l'investisseur, il a le droit d'obtenir un lot de terrain dans la zone industrielle, combien même il vient de Bjaïa ou là, il vient d'Oran, parce qu'il a un projet qui va avec la localité. S'approcher de la matière première. Le projet, il s'accommode plus sur Djilfa que sur Djaïa ou sur l'Oran. Et là, il fait sa demande et il obtient le foncier et il sera accompagné pour mettre en place rapidement son investissement. Le foncier, on a découvert dernièrement, on a annoncé le chiffre de plus de 14 000 lots de terrain qui ont été octroyés et qui ne servent à rien du tout. Donc les gens, ils se disent, non, je ne sais pas, je vais faire business bien, je vais faire bien. Non,
Maintenant, 14 000 à Anouk, c'est 14 000 projets qui peuvent être réalisés et c'est des centaines de milliers d'emplois qui seront créés pour régler le problème de beaucoup de localités, régler le problème du pays. Il y a quand même la récupération des assiettes affectées et non exploitées par les faux investisseurs. Donc c'est l'une des... Bien sûr, le foncier c'est pour l'investissement. Vous êtes un investisseur, vous avez le droit d'obtenir un foncier dans le lieu qui s'y est le mieux à votre projet. Vous êtes besoin, si ça reste... المثل هي تسهم غد مس عبد العزيز كان داك الشيء اللي كان بحال عليا نقول لي في الصنعه داك كان حريش كيني وكا اللي يتواخذ من بالدماء الصنعه الى قد يوغى الابابيس مثلا عطلا ويذ يكوين اخر كي من الصنعه لمعنى وخدي من هذاك الشيء اللي عنده شويه نسراجون ترى الوكلا كيني راه دي بان انت جديد انت ترى يوغالن تجمع كي تاكل يقلا من الصنعه وتعاود تفرقيت داغن ويذ يوكلان ويذ يستاهلن هذاك الشيء Monsieur Gend, c'est possible, le ministère de l'Industrie a appelé les industriels publics et privés à s'organiser en cluster. Donc, c'est quoi le but? Le but, c'est une recommandation d'ailleurs qui a été faite lors des ateliers. Et le cluster, ça permet donc aux gens qui font, ou là, qui s'affinent, qui ont des choses en commun dans une chaîne de valeur, de maîtriser la chaîne de valeur et de permettre donc de donner les meilleures chances à leurs produits d'être le plus compétitif possible. Donc quand vous avez des gens, quelqu'un qui est dans le transport, quelqu'un qui est dans la matière première, donc prenez par exemple la région de la zone industrielle de Taharasht du côté d'Abo par exemple. Là-bas, on a créé un premier cluster, donc celui des boissons. Vous savez qu'il y a pas mal d'industriels qui sont dans la boisson, d'autres qui sont dans l'emballage, d'autres qui sont dans la logistique. Ça permet, avec l'eau, la boisson qui est produite, de faire un peu le territoire national avec le minimum de coûts. Donc si on peut appliquer ça à toutes les filières, à l'électricité, à l'automobile, à l'agroalimentaire de manière générale, donc les gens... Chacun met du sien dans ce cluster et on obtient un produit compétitif. تنمير في هي فانس فهمت ضد تمثيل تكيني تيغري يخدم غليف الصنعة مرة ويد يخدم أنا كاكو حريشة كينيا الصنعة باش أما البريفين يغل البيبليك معاونا وذيلين نسعى لك تيجويا أكيا غير السن كيون وحريش الصلفي ون الصنعة أدم سهاما تعاونا نخدم الوحيد باش كا أسفتين تدمسا نسل سي لا فان دو ليميسيون سكو فوز افي كيك شوز بوتيتر ادير جي با بوزي اون كيسيون بوتيتر فولي Non, moi, au ministère de l'Industrie, on aide l'industrie algérienne, on lui donne le souffle et on lui donne l'énergie qu'il faut pour qu'elle démarre. Donc il faut qu'on se fasse confiance entre administration, entre citoyens et entre investisseurs et industriels de manière générale. Il faut qu'on revienne aux règles de base donc d'entraide. D'abord, il faut qu'on ait des entreprises peut-être plus sociales, plus sociétales que maintenant. Et effectivement, donc il faut qu'on se base sur les règles modernes de gestion. Donc il faut qu'on fasse appel à la formation, à l'université. Il faut que tout ce beau monde-là puisse s'entendre. On a fait dans nos ateliers la conférence de la relance industrielle. Il faut que ça devienne une réalité nationale. Les gens se consultent, les gens travaillent ensemble. Un seul objectif, c'est de faire de l'Algérie un pays leader dans sa région et un pays qui sera respecté sur tous les plans. Et en 2022, c'est l'année. C'est l'année de l'économie, c'est déclaré par le président de la République, il n'y a pas de marche arrière là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, Hitan Mert. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.